Alex, tenez, va pas. Ah, pas bon. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Vous non plus, vous n'y allez pas? Il faut d'abord que j'aie le service. Et vous? Je ne peux pas. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'argent, ni qu'il est malade. Il est réellement déprimé. Je verrai ce que je peux faire. Au fait, votre patience se porte très bien. Merci. Les feux qui brûlèrent les martyrs de l'Ouganda ne s'éteindront jamais. Ce sont des feux d'espérance. Les martyrs n'ont pas reculé devant la mort et y sont aujourd'hui vivants dans la gloire. Comme eux, nous pouvons mettre notre espérance en Dieu, en un Dieu d'amour. Alex, tu suis à la radio les célébrations du sanctuaire ? Voudrais-tu en savoir plus au sujet de ces martyrs? Es-tu libre demain? Il y a de nombreuses années, des missionnaires sont venus dans ce pays pour nous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pendant 7 mois, ils ont marché de la côte de l'océan Indien jusqu'au bord du lac Victoria. Et 2 d'entre eux ont embarqué dans une pirogue. Après avoir passé 27 jours sur ce lac, le père Lourdel et frère Amance ont débarqué ici. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir emmenés dans ce pays. Nous te demandons de le bénir et de bénir notre mission. Amen. Idi, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Avez-vous la permission du roi de venir dans notre pays? Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis un père blanc. Je viens pour vous rencontrer. Et également vous parler de Jésus, qui nous a dit d'appeler Dieu notre Père. Rendez-vous au palais du roi. Je vous donnerai des guides pour vous conduire jusqu'au Kabaka. Là, vous devez m'attendre et je vous présenterai à lui. Qui est ce Jésus dont vous parlez toujours? Jésus est le Fils de Dieu. Et Dieu nous aime tant qu'il nous a envoyé son Fils Jésus pour nous parler de lui. Jésus nous a appris à appeler Dieu notre Père. Nous croyons que le seul chemin
pour aller à Dieu et de passer par son Fils. Mais comment êtes-vous arrivé à connaître cet homme Jésus? Père Lourdel a surmonté beaucoup de difficultés les premières années en fondant l'Église catholique dans cette région. Il a dû faire face à l'opposition des autres religions et également de certaines personnes clés de l'entourage du roi. Mais c'était un homme de grande foi et la manière dont il traitait ces difficultés impressionnait les gens. Dieu nous a envoyé son Fils. Ils commencèrent à venir vers lui pour apprendre à connaître la foi. Qu'il nous aime et combien il nous aime. Un de ceux qui venait était Mathias Mulumba, en chef local de la région. Il veut que nous devenions tous ses enfants, membres de sa famille. C'est pourquoi nous devons remercier Dieu. Dans votre langue, vous appelez Dieu Katunda, celui qui a créé toute chose. Les deux autres étaient Joseph Mukesa, Balikudembe et André Kagwa. Balikudembe était un homme au courant de toutes les décisions du palais. Il était remarqué pour son habileté et ses prouesses au sport et au jeu. Kagwa était un page royal. Il était maître tambour à la cour. C'était un homme excessivement gentil et avait des amis dans toutes les couches de la population. Les Pères Blancs avaient apporté des médicaments et ont commencé à soigner les malades qui venaient vers eux. Vous êtes quelqu'un de très bon, mon père. Vous êtes si attentif aux personnes. Merci. Mais pourquoi faites-vous cela? Je suis le disciple de Jésus. Jésus est mon maître. Il nous apprend à aimer tout le monde, même nos ennemis. Comment puis-je devenir comme Jésus? Tu devras apprendre pendant plusieurs années, puis tu seras baptisé. Et ainsi tu deviendras un ami de Jésus. Tu feras vraiment partie de sa famille. Peux-tu nous apprendre, Père? Oui, nous pouvons commencer dès maintenant. Je vais vous enseigner la prière que Jésus a apprise à ses amis. Notre Père, qui es aux cieux, vous répétez après moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mulumba commença à apprendre la foi chrétienne aux gens de cette région. Jésus dit que peu importe quel problème nous assaille, même quand il n'y a pas d'ici visible, il sera toujours avec nous. Ayons confiance en lui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et retrouvons-nous bientôt. Continua à grandir dans sa relation avec Jésus. Il aidait également Balikudembe et Kagwa dans l'approfondissement de leur foi. Que Dieu est bon. Il me permet de continuer à venir ici pour apprendre à les connaître, sans gêner mon travail.
Le roi a fait de moi son serviteur privé. Je dois donc être à sa disposition toujours. Peu importe, je continuerai à apprendre, même si ça me prend beaucoup de temps. J'ai été promu chef du groupe musical. Mais je n'arrêterai pas de venir ici. J'ai appris qu'il faut que je sois patient. Les chemins de Dieu ne sont pas les nôtres. C'est pourquoi nous devons mettre notre foi en lui. Mathieu. J'ai appris de mon père, par adoption, que nous ne savons pas la vérité. Mais il disait que des hommes viendraient nous montrer le bon chemin. Et depuis, je suis en recherche de la vérité. Maintenant, je sais que j'ai trouvé la vérité. Hé, hey, mets-le là. C'est ma gauche. Alors qu'il approchait de son baptême, Malomba dut faire face à une très grande décision. Il accepta l'enseignement chrétien de n'avoir qu'une seule femme. Il avait 4 femmes. En effet, la tradition locale permettait la polygamie. Mes femmes ont été fidèles et gentilles avec moi. Mais je dois en laisser partir 3. Seigneur Jésus, aide-moi à faire ce qui est juste. Sois le bienvenu. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Comment allez-vous? Très bien. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai décidé de devenir chrétien. Et en agissant ainsi, je ne peux avoir qu'une seule femme. Toi, tu resteras avec moi. Les 3 autres, vous devrez partir. Je ne veux blesser personne. Mais, en conscience, je ne peux faire autrement. Que se passe-t-il? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Les gens vont se moquer de nous. Toi, femme, quel sortilège as-tu donné à notre mari? Il n'y a aucun reproche à faire à personne. Parce que c'est moi qui ai décidé de changer ma façon de vivre. Et cela est très difficile. Je vous promets de toujours pourvoir à vos besoins et de m'occuper de vous. Parce que vous avez toujours été des femmes fidèles envers moi. J'ai fait le choix de Jésus. J'ai fait le choix de Jésus. Yeah, my dear, my dear.
Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Mulumba aidait sa femme régulièrement au jardin, ce qu'on n'avait jamais vu à cette époque. Steve Malumba, est-ce que cette nouvelle religion t'a fait devenir une femme? Ne fais pas attention à elle. Il avait l'habitude de marcher plus de 60 km vers Kampala pour recevoir les sacrements. Ego te absolvo a peccatus tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le père Lourdel continuait à l'instruire. Es-tu sûr que tout ira bien pour moi sans ces fétiches? Père, nous dépendons d'eux. Les fétiches n'ont aucun pouvoir. Notre signe, c'est la croix de Jésus-Christ. Mulumba rapporta cet enseignement à son peuple à Mithiana. Vous ne pouvez mettre votre confiance dans des fétiches, mais mettez votre foi plutôt en la puissance de Dieu. Nous tous, nous portons la croix de Jésus. Mais nos ancêtres ont toujours utilisé ces fétiches pour se protéger et attirer la chance. Et si nous les jetons, nous allons certainement mourir. Nous apporterons la ruine à notre peuple pour toujours. Moi aussi, j'ai eu peur au début. Mais j'ai jeté mes fétiches. Et comme vous pouvez le constater, rien ne m'est arrivé. Sont une menace. Ils ébranlent complètement notre autorité. Ils vont enlever tout notre honneur. Allons avertir le roi. Menaçons-les. Souvenez-vous des prédictions concernant la venue des pauvres hommes blancs. Ils nous tortureront et nous réduiront à presque rien. Ils éloigneront de nous presque tous les gens. Nous ne recevrons presque plus de cadeaux. Et ils auront des énormes pouvoirs, plus forts que les nôtres. Ces gens-là sont terribles. Menaçons ces personnes. Que chacun d'entre nous fasse tout ce qu'il peut pour les chasser. Tuons-les, si nécessaire. Les sorciers et sorcières réussirent à convaincre le roi que les missionnaires étaient une menace pour lui et qu'il devait quitter le pays. Dès que les missionnaires furent partis, la peste, la variole et la maladie du sommeil s'abattirent sur le pays et tuèrent beaucoup de gens. Les chrétiens prirent soin des malades, baptisant ceux qui étaient sur le point de mourir. Ils témoignaient de beaucoup d'amour à ceux que la maladie avait exclus de la société. Beaucoup se mirent à croire à cause de l'amour qu'ils avaient rencontré. C'étaient les chrétiens locaux qui étaient responsables de la progression de la foi. Kagwa, qui avait la responsabilité de l'orchestre royal, donnait ses instructions à chacun de ses membres. Balikudembe, qui avait la charge des pages, fit de même. Le roi Akamutesa mourut. Son fils Mwanga lui succéda.
il permit aux missionnaires de revenir. Ceux-ci furent surpris de voir que leur petite communauté de 300 personnes avait fortement grandi pendant les 2 années de leur absence. L'avenir leur paraissait ouvert. Hoc est enim corpus meum. Au vu de la situation politique des pays voisins, le nouveau roi Mwanga prit peur que son pays ne soit envahi. Les chefs locaux et le premier ministre utilisèrent cet événement pour essayer de discréditer les missionnaires et les accuser d'alliance avec les étrangers. Un climat de suspicion et d'hostilité se développa. À ce moment-là, un nouvel évêque anglican, Monseigneur Hannington, arriva dans le pays par l'Est. Or, il avait été prédit qu'en blanc, arriverait de l'Est et prendrait le pouvoir dans le pays. Monseigneur Hannington fut perçu comme une menace. Sa vie était en grand danger. Le roi réunit son conseil pour discuter de la situation. J'ai entendu le point de vue du conseil. Premier ministre, qu'avez-vous à dire sur la situation actuelle? Votre Majesté, les missionnaires sont alliés avec les étrangers. Cet homme est un allié des étrangers. Et les étrangers sont là pour se saisir de notre pays, Votre Majesté. Ils sont ici pour accomplir la prophétie qui dit que celui qui vaincra le royaume viendra de l'Est. Mais nous n'avons pas peur parce que nous connaissons la prophétie et nous savons que cet homme est ici. Finissons-en. Avec cette prophétie. Finissons avec cet homme. Laissez-nous en finir. Sauvons notre royaume. Votre Majesté. Tu as très bien parlé. Mais mon bon ami Balikoudembe est silencieux. Contrairement à son habitude. Qu'est-ce qui te rend si calme? Votre Majesté, nous connaissons cette prophétie. Chacun connaît cette prophétie. C'est vrai que cet homme est un étranger. Mais il est seulement missionnaire, comme les autres missionnaires. Je n'ai eu aucun problème jusqu'à maintenant. Je connais des prophéties dans ce pays qui ne se sont pas vérifiées. Mais je sais aussi que c'est notre devoir de protéger notre pays. C'est pourquoi j'implore votre faveur, Votre Majesté, de les laisser retourner d'où ils viennent. S'il vous plaît, ne les tuez pas. Ah. Non, Votre Majesté. Traitons le problème. Tuons-les. Non, Votre Majesté. En les tuant, vous aurez leur sang sur vos mains. Ne les tuez pas. Ne l'écoutez pas, Votre Majesté. C'est un chrétien. C'est un traître. Il est de leur parti. C'est vrai que je suis chrétien. Il a raison de dire que j'en fais partie. Mais c'est vrai aussi que je suis un citoyen de ce pays. Et je fais partie du pays. Non, Votre Majesté. Écoutez, ils se targuent d'être chrétiens. Comment pouvons-nous être sûrs que tu ne vas pas comploter avec eux pour avoir le trône? Non, Votre Majesté. Toi, Mukasa, je croyais que tu étais mon plus fidèle serviteur. Prends-tu le parti de l'homme blanc contre moi? Laisse-moi. Votre Majesté, laissez-moi essayer de vous... Pendant quelque temps, Balikoudembe protégea les pages de ce qu'il pensait être l'influence corrompante du roi. Le premier ministre, qui était jaloux de Balikoudembe, chercha toutes les occasions de l'ébranler. Depuis quelque temps, j'ai cherché ces pages. Chaque fois que je les appelle, ces pages ne sont pas là. Votre Majesté, c'est Balikoudembe qui les garde éloignés. Il les monte contre vous. En ce moment même, il enseigne à des membres de la cour comment devenir chrétien. Ils vous accusent même d'immoralité. Votre Majesté, Balikoudembe n'est pas votre ami.
C'est un traître et on ne doit pas lui faire confiance. Lorsqu'un ami devient un traître, il n'y a pas d'alternative. Premier ministre, occupe-toi du traître. Katonda kitaffe asinga byonna. Tufukamidde wano mu maaso g'offe abaddu bo. Kwebazaayi Mukama olw'okututonda n'otuusa ku nsi eno. Tukusaba otwongere amaanyi, otwogere. Ne crains pas d'accomplir ta tâche en me tuant. Dis à Kabaka Mwanga qu'il m'a condamné injustement, mais que je le pardonne de tout mon cœur. Cependant, il faut qu'il se repente ou alors... Bali Kudembe fut décapité et brûlé le 15 novembre 1885 à Kampala. Il versa la première goutte de sang catholique en Ouganda. Sa mort choqua profondément les missionnaires et le reste de la cour. De nombreux pages accoururent vers le père Lourdel. Nous allons mourir. Baptise-nous. Un de ceux qui fut baptisé à ce moment-là fut Charles Luanga. Ego te baptiso in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Il remplaça Bali Kudembe comme chef des pages. Il était un lutteur très connu qui avait la réputation d'un héros parmi les jeunes pages. Bali Kudembe a rejoint Dieu. Nous devons rester fermes dans notre foi en Jésus. Nous ne devons jamais abandonner. Si il y a un problème, ne vous inquiétez pas. Je parlerai en votre faveur. Disons la prière du Seigneur. Mes amis, ces derniers temps, vous m'approchez tous avec une certaine crainte. Bali Kudembe est mort parce qu'il m'a insulté en remettant en cause mon autorité. Je ne vous demande pas d'arrêter de pratiquer votre religion, mais je veux seulement que vous arrêtiez de voir les hommes blancs. Si vous y retourniez, vous m'auriez trahi comme l'a fait Bali Kudembe. Dans ce cas, je serai forcé de chasser les étrangers et vous avec pour sauver mon royaume. Votre Majesté, les hommes blancs nous enseignent à vous servir loyalement. Nous sommes vos sujets fidèles et nous sommes prêts à donner nos vies pour vous servir. Y a-t-il un esprit malfaisant? Que se passe-t-il? Mon armée vient d'être mise en défaite et mon commandant d'armée vient d'être tué. Oui, et votre réserve de munitions a explosé. Beaucoup de vos pages ont été tués et les biens auxquels vous tenez détruits. Et ma maison vient d'être détruite par la foudre. Mes fétiches, ma sœur les a détruits. Il doit y avoir un esprit malfaisant à l'œuvre.
En après-midi, après une journée de chasse désastreuse... Où sont ces pages? Où sont ces pages? Moi fou, c'est pourquoi go? Où étiez-vous? Avec ces bois hauts, votre majesté. Que faisais-tu avec ces bougawaos? J'étais en train de lui enseigner notre foi en Jésus. Quoi? Apprendre la religion au fils de mon premier ministre quand je l'ai interdit? Prends-le et finis-en avec lui. Nous sommes en danger. Il est probable que nous allons mourir. Certains d'entre vous ne seront pas capables d'endurer les souffrances. Vous, les jeunes, vous n'êtes pas encore baptisés. Partez, allez-vous-en. Non, nous avons décidé. Nous suivons Jésus. Il semble que vous avez décidé de rester ferme dans votre foi avec Jésus. Je crois fermement qu'au-delà des souffrances, il y aura une plus grande récompense. Certainement. Kizito. Je te prendrai la main. Si nous mourons pour Jésus, nous mourrons la main dans la main. Que tous ceux qui pratiquent la religion chrétienne aillent là-bas. Si quelqu'un se cache, il sera décapité immédiatement. Mouafa, ne fais pas semblant d'être l'un de leurs. Bien sûr que j'en fais partie, père. Je dois tout à Luanga. Est-ce que je devrais rester derrière pendant qu'il donne sa vie pour Jésus? C'est le fils de ma sœur. C'est mon fils. Reste ici, ne va pas là-bas. Je suis chrétien et le père à qui je dois obéir est dans les cieux. Laissez-moi seul. Ligote-les et amène-les à Namugongo. Nous allons au ciel. Une fontaine avec de nombreuses sources ne tarira jamais. Après nous, d'autres chrétiens viendront. En voici un qu'on appelle chrétien. Occupe-toi de lui comme bon te semble. Je ne veux pas le revoir. Mwami Mulumba.
Mulumba, es-tu devenu chrétien à ton âge? Oui, monsieur. Bien sûr. Qui s'occupe de ta nourriture? Maintenant que tu as renvoyé tes femmes. Ai-je te mis à l'épreuve parce que je suis mince? Ou est-ce à cause de ma foi que tu m'as envoyé chercher? Ainsi, vous êtes les personnes qui vous contentez d'épouser une seule femme et vous persuadez les autres de faire de même. Prends cet homme et tue-le avec les autres. Coupe-lui les mains et les pieds. Arrache des bandes de chair de son dos et retire devant ses yeux. Et que son Dieu vienne et le délivre. Je veux pas. Je veux pas marcher jusqu'à Namugongo pour mourir. Tue-moi maintenant. Et ici. Il mit 3 jours pour mourir. Je vais te faire brûler lentement, en commençant par les pieds. Et nous verrons si Dieu te délivrera de ce feu. Tu peux me faire brûler, mais c'est comme si tu versais de l'eau sur mon corps. Gloire soit à Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, pardonne-leur ce qu'ils font. Ce ne sont pas nous qui te tuons, mais les dieux, parce que tu les as méprisés et appelés des démons. Si les démons nous tuent, alors vous êtes leurs esclaves. Vous pouvez brûler nos corps, mais vous ne pouvez pas brûler nos âmes, car elles appartiennent à Dieu. Nous avons mis à mort beaucoup de gens, mais jamais comme ceux-ci. Pas une lamentation, pas même une montée de colère. Ils prièrent jusqu'à leur mort. D'où tenait-il ce courage? Autant que nous puissions le savoir, 25 chrétiens sont morts brûlés ce jour-là, le jour de l'ascension, le 3 juin 1886. 12 étaient catholiques, 13 anglicans. Ces hommes avaient beaucoup de courage, même face à la mort. Ils avaient un grand amour pour Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi le même courage pour affronter ce qui se présente devant moi. Le feu de Namugongo ne s'est jamais éteint. Il brûle encore dans les cœurs de nombreux chrétiens en Ouganda et partout dans le monde. Let the fire of hope kindle your heart. Light up the night and show you the way. Like a hand that wipes away the tears. Like balm that eases the pain. Jesus gives you hope to look beyond.
cross, like the martyrs burning in the fires of war. It's the power to overcome your fear. Feel the power of hope, taking me beyond the depth of despair. Feel the power of hope, I will pray to Jesus every day. Feel the power of hope, like the sun rising in the morning. Feel the power of hope. Oh,